Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial Géopolitics sur Canal Algérie. La crise du coronavirus a-t-elle consacré définitivement l'échec des organisations multilatérales? Étant à l'origine des instances de dialogue diplomatique, quelles sont les autres stratégies mises en place dans ce jeu d'échecs à l'échelle mondiale? Afin d'accroître ses zones d'influence et être supérieur économiquement et diplomatiquement, le soft power est apparu comme un moyen complémentaire, voire plus efficace. Les affrontements face à face militaires entre puissances ou par pays interposés ne constituent plus une première alternative. Torpiller toute tentative pacifique de changement par des intrusions violentes, qualifiées par l'un de nos invités de diplomatie parasitaire, se matérialise aujourd'hui par des injonctions sournoises. Le soft power peut-il se transformer ou être un cheval de Troie avec des ramifications sécuritaires, une appellation douce de force flag dans le but de s'implanter sur de nombreux théâtres d'opérations, des éléments de réponse avec nos invités de ce soir. Richard Labivière, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef, essayiste, vous avez écrit beaucoup de livres sur le Moyen-Orient, notamment sur la question palestinienne, et vous êtes le rédacteur en chef du magazine en ligne moyenorient.ch. Merci d'accepter notre invitation. Nous avons avec nous également le plaisir de recevoir Michel Rimbaud. Vous êtes ancien ambassadeur à la retraite, diplomate, essayiste et conférencier. Merci également à vous d'être parmi nous. Nous avons également Monsieur Ben Saada. Bonsoir, Monsieur Ben Saada, qui vous êtes au Canada. Vous nous rejoignez. Merci de vous être levé si tôt pour participer à ce programme. Vous êtes donc auteur et analyste politique. Et enfin, nous avons avec nous le directeur du site Medania, qui est également un spécialiste du Proche et Moyen-Orient et de la région, notamment notre région à nous. Il s'agit là de René Naba. Bonsoir et merci d'accepter cette invitation. Les meilleurs vœux pour les auditeurs. Nous allons commencer par se poser la première question, en fait, par rapport justement à ce qu'on appelle le multilatéral aujourd'hui. Nous assistons depuis quelques années à un tableau dominé par les libéraux autoritaires qui donnent, eux, le là, finalement, aux grands événements, aux grands sommets. Est-ce que le multilatéralisme s'est muté aujourd'hui en une espèce d'idée libérale et, ce faisant, a fini par creuser sa tombe? Oui, alors, on peut dire que le multilatéralisme, en tout cas, la gestion des conflits internationaux par le Conseil de sécurité des Nations Unies a reçu un coup mortel en septembre 2003 avec l'invasion anglo-américaine de l'Irak. Et cette invasion anglo-américaine de l'Irak a constitué une coupure, une grande rupture dans ce qu'on appelle le multilatéralisme onusien, pour laisser place à une opération militaire anglo-américaine unilatérale qui a en fait détruit l'Irak, détruit l'État-nation irakien. À partir de là, effectivement, les Nations Unies ont été, le Conseil de sécurité, très très marginalisé, et le multilatéralisme politique et économique est entré en crise, avec évidemment une crise qui s'est amplifiée avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien, sur un format 5+5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, qui est un accord qui avait été discuté pendant 15 ans, signé à Vienne en juillet 2015. Donc le président américain Trump a déchiré cet accord. Ensuite, il est sorti de l'accord de Paris, de la COP21 sur le réchauffement climatique. Il a remis en cause l'accord FNI sur les missiles de portée intermédiaire et, je dirais, il a répété des violations du droit international, ne serait-ce qu'en déplaçant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, dans la mesure où un grand pays comme les États-Unis donne le très, très mauvais exemple, avec effectivement à la clé le retrait de l'UNESCO, le retrait de l'OMS, il est certain que de ce point de vue-là, on entre dans un monde, je dirais, dans le Léviathan de Thomas Hobbes, où il n'y a plus de droit international et où la règle, c'est la guerre de tous contre tous, avec une multiplication des conflits asymétriques, de guerres économiques et de guerres culturelles, avec un rôle important du soft power, comme vous l'avez indiqué, et des outils numériques. Michel Rimbaud, aujourd'hui, quels sont les outils qu'utilisent les grands de ce monde pour la reconfiguration de la machine, on va dire, qui régit les règles qui gèrent les pays? Écoutez, moi je note que finalement l'une des grandes évolutions du droit international depuis 1991, la chute de l'Union soviétique, c'est précisément qu'il y a une tentative, notamment par l'utilisation du soi-disant soft power, qui est un
voire très très violent finalement, c'était de remplacer au fond les principes de la Charte des Nations Unies, les principes westphaliens, la souveraineté, la non-ingérence, l'obligation de négocier, etc., etc., de remplacer ces principes admis par tous par finalement des concepts qui n'étaient pas vraiment dans la Charte des Nations Unies, qui visaient finalement à la contourner. Notamment, il y a un principe du droit d'ingérence qui a pris différentes tournures pour aboutir à la notion de responsabilité de protéger. Cette responsabilité de protéger qui correspondait à une montée en puissance des ONG, disons, au sein du système international, eh bien, a servi de prétexte souvent pour imposer des opérations militaires et des opérations de changement de régime. Et c'est sous ce couvert-là, finalement, qu'il y a une bonne partie des interventions militaires, notamment de l'Occident, des États-Unis et de ses alliés, et d'Israël, finalement, aidés par les forces islamistes, sur lesquelles on reviendra probablement, disons, à partir de ce principe-là qu'on a pu détruire des États entiers. Donc, en fait, le soft power, c'était un prétexte soft, mais des actions extrêmement hard, finalement. Et je pense que maintenant, on en est là. Et je pense que quand on voit la fameuse crise du coronavirus, sur laquelle on va avoir probablement l'occasion de reparler, je pense que c'est une fausse version du nouveau soft power, le pouvoir sanitaire, finalement, à la place du pouvoir du droit humanitaire, finalement. La dictature sanitaire, finalement, et le pouvoir sanitaire n'est pas moins violent, disons, que son prédécesseur et parent, était le droit humanitaire, finalement. C'est-à-dire de mettre tout au service de la santé de l'humanité avec des visées qui sont, elles, pas du tout soft, qui sont vraiment très hard et qui visent à recomposer le monde, quand même. Mais justement, parlons de ces outils-là, et là, je m'adresse à M. Ben Saada. Qu'est-ce qui reste comme autre outil? En fait, on a observé depuis, disons, le début des années 90, et encore plus vers les années 2000, qu'il y a eu une certaine ONGisation de la vie civile. Et c'est ce type de soft power, c'est-à-dire d'introduire des ONG dans des champs, dans des domaines en fait, où l'État lui-même devrait prendre en charge, que l'État lui-même devrait en charge, pose d'énormes problèmes. Et on a vu, par exemple, dans le cas des anciennes républiques soviétiques, par exemple, ou dans le printemps arabe, que des ONG financées par des puissances étrangères ont eu un rôle prépondérant dans la modification et dans ce qu'on appelle le régime change. Donc un soft power qui est basé sur des ONG autochtones, mais qui dépendent d'un agenda qui est étranger. Et ça, on l'a vu depuis le début des années 2000. Donc, le soft power a eu, c'est lettre de noblesse, mais en fait, il a permis la destruction de certains pays, de changer des régimes, mais aussi la destruction de certains pays comme la Libye, la Syrie ou le Yémen. Et ça, c'est très, très bien, actuellement, très, très bien connu. René Nabat, vous avez évoqué lors de l'un de vos entretiens une diplomatie parasitaire dans une certaine révolution arabe. Ceci, vous me semble-t-il, se matérialise aujourd'hui par certaines injonctions. J'ajoute que vous avez tantôt parlé d'Algérie comme l'un des derniers bastions du refus. Avec la Syrie, jamais ne l'oublier. Avec la Syrie et le Liban, le sud du Liban et le sud de Beyrouth. Cela dit, je voudrais revenir avant à une petite notion pour que les choses soient claires. Le multilatéralisme dont vous avez parlé pendant longtemps était en fait un unilatéralisme américain épaulé par l'OTAN avec un habillage consensuel qui s'appelait la communauté internationale, c'est-à-dire une vingtaine de pays, l'OTAN plus le Japon et Israël. C'était ça le multilatéralisme, c'était un rapport de force effréné de la puissance planétaire, la première puissance planétaire qui était les États-Unis. Actuellement, le multilatéralisme est en train de se faire jour à l'occasion de la crise de la pandémie de la COVID, comme dit l'Académie française. En ce sens qu'il y a un nouveau rapport de force qui fait une puissance qui est en phase de repli, pour ne pas dire en déclin, qui sont les États-Unis, et une autre qui est en phase d'ascension, qui est la Chine. Et la démonstration a été faite que, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une grande catastrophe humanitaire n'est pas prise en main par le groupe des pays occidentaux, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique, mais ça a été fait par la Chine, la Russie et Cuba.
c'est-à-dire le nouveau multilatéralisme qui est en train de se créer dans le cadre du BRICS. Voilà, le nouveau multilatéralisme est en train de naître. Aujourd'hui, une totale réussite. Le multilatéralisme est en train de naître avec le BRICS, avec l'affirmation de la Chine d'abord, qui a réussi à neutraliser son épidémie bien plus vite et bien plus efficacement que les États-Unis. Vous vous rendez compte, durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis produisaient 8 appareils militaires, appareils de combat par jour, pour remplacer la flotte détruite, pour équiper les alliés. 8 appareils chasseurs-bombardiers ou bombardiers, 8 appareils par jour. Oui. Une épidémie de maladie, elle n'arrive même pas à l'enrayer dans son propre territoire. Elle est le pays le plus sinistré de cette épidémie-là. C'est une insulte à la suprématie américaine. C'est avec les signes pareils qu'on voit que le déclin est amorcé et que le reflux est amorcé et qu'il y a une nouvelle configuration du monde qui se prépare. Néanmoins, pour en revenir à ma question, est-ce que vous pouvez revenir justement sur le concept de diplomatie parasitaire que vous avez développé? Je prends le cas concret de la Ligue arabe. Vous avez 10 États qui contrôlent la majorité de la Ligue arabe et qui ont décidé ainsi, eux, d'expulser la Syrie de la Ligue arabe, un pays membre fondateur de la Ligue arabe, et qui a mené 4 guerres contre Israël. Donc, on est là, ils sont là, ils sont une façade pour normaliser avec Israël, pour maintenir en état de soumission le monde arabe, qui participe à la désagrégation du monde arabe dans des guerres de destruction en Syrie, en Libye, au Yémen et ailleurs, et qu'on trouve comme les interlocuteurs du monde arabe. Je me rappelle Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, il dit c'est un vote démocratique. La Ligue arabe a voté démocratiquement l'expulsion de la Syrie. Vous vous rendez compte, démocratiquement? Michel Rimbaud, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Briancourt, disait en 2012, je cite, « La diplomatie d'influence, issue de la traduction de « public diplomacy » ou « soft power » en anglais, est à présent le maître mot de l'action diplomatique de la France. » C'était à l'occasion du lancement de l'Institut français d'Algérie. Comment est-ce que vous percevez justement l'impact de ce qu'il a appelé la diplomatie d'influence? C'est assez mal vu parce que la diplomatie d'influence, si elle était efficace, on le saurait, ça se verrait. En réalité, la France s'est fait évacuer de tous les dossiers dans l'ensemble du monde arabe et au-delà. Mais c'est vrai par ses positions, en défendant des mauvais chevaux, quoi. Elle a choisi le mauvais camp. Globalement, la France n'a pas pu se retrouver une politique indépendante comme disons, de style gaullien. Pendant longtemps, il y a eu des principes de la politique française, y compris à l'égard du monde arabe, la fameuse politique arabe de la France, qui faisait que la France, en quelque sorte, n'était pas alignée ni sur le bloc occidental, ni sur le bloc communiste à l'époque. Une politique révolue avec la disparition du général. C'est révolue avec la disparition du général, ou à peu près, et de ses successeurs en tout cas. Et globalement, c'est le retour à l'atlantisme, au sionisme, qui sont les deux mamelles, en fait, de la politique française, de sa politique étrangère. Et donc, la politique d'influence dans ces conditions-là, alors que le monde, finalement, de mon point de vue, comme il a été dit au début, est en train de changer de base, finalement, que l'hégémonie occidentale, à mon avis, elle a vécu, après avoir duré un certain temps, et s'est prolongée encore. Je pense que le tournant a commencé à être marqué en 2011, précisément, entre la résolution 1873, je crois, sur la Libye, en mars 2011, où encore il y avait une unanimité, disons, il n'y avait pas d'objection pour laisser passer, disons, une résolution des Nations Unies autorisant une intervention militaire contre Kadhafi, contre la Libye. Par contre, donc ça aboutit au résultat que l'on sait, à la destruction du pays, à l'assassinat en direct quand même d'un chef d'État. Oui. Et puis, deuxièmement, le mois d'octobre de la même année, quand justement, à propos de la crise de Syrie, un projet d'intervention visant à reprendre une opération à la libyenne sur la Syrie a été bloqué par le premier des doubles vétos russo-chinois, finalement, au Conseil de sécurité. Depuis, alors on dit, il y a la Russie et la Chine, il y a une alliance bipôle, finalement, contre l'hégémonie américaine. En tout cas, ce qui est certain, et la crise du Covid, qui a un bien vilain nom d'ailleurs pour un si joli virus, oui. Je pense que cette crise du Covid a mis en tout cas quelque chose en exergue. C'est la perte, on parlait du prestige moral, on disait que c'est la première fois qu'une crise humanitaire n'est pas prise en compte pour le meilleur et pour le pire par l'Occident, ces ONG, son bric-à-brac
d'Occident, d'organisations humanitaires et de complices et de relais de toutes sortes d'intellectuels et de bienfaiteurs de l'humanité. Bon, eh bien, ils existent encore, mais ils sont en fait, ils ont été dépassés par les événements. Au contraire, s'il y a une chose qui a été mise en lumière sur ce point-là, du point de vue du Covid, c'est bien que personne n'aurait eu l'idée de s'adresser à l'Amérique pour demander du secours, qui était elle-même brutalement frappée, mais on a fait appel. Il y a eu la Chine d'un côté, la Russie de l'autre, mais y compris des pays comme Cuba, des alliés finalement, pas des alliés des États-Unis. Médecins, non, oui, tout à fait, les médecins. On a vu les images des médecins cubains qui sont arrivés les premiers. Je suis même frappé de voir que même pour des territoires français comme les départements d'outre-mer d'Amérique, c'est Cuba qui a envoyé les médecins plutôt que des médecins venus de la métropole, quand même. C'est tout un symbole. Je voudrais vous demander, M. Ben Saada, l'Algérie a refusé justement de faire partie du G5 Sahel, défini comme un cadre de coordination et de suivi de la coopération régionale sécuritaire, j'ai envie de dire, et de politique de développement, mais sécuritaire tout de même. Est-ce que ce refus de l'Algérie la met en porte-à-feu? Ce qui se passe au Sahel touche directement l'Algérie. Et tous les problèmes inhérents en fait, de cette crise ont été exacerbés par les bombardements de l'OTAN. La destruction de la Libye a été une très mauvaise chose pour l'Algérie. Et toutes les interventions étrangères qui sont faites en Libye actuellement posent d'énormes problèmes. Tout ce jeu géostratégique international, il faut que l'Algérie le comprenne pour bien saisir l'action à mener. C'est très important de savoir de ne pas faire d'erreurs stratégiques, parce qu'actuellement le jeu au niveau de la Libye est extrêmement trouble. C'est clair que la Libye ne va pas se relever de sitôt, parce qu'elle représente un point de tension très important pour la région. Et tant qu'il y a de la tension dans la région, il y a de la pression sur les pays voisins, que ce soit sur l'Égypte, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'Algérie. Et c'est cet aspect-là qui est très important. Justement, Monsieur Naba, vous êtes un spécialiste du Soudan. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que le scénario soudanais, le scénario libyen, il y a une forme de similitude? Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui en Libye à la lumière des développements qu'a connu le Soudan? Je vais faire une analyse fractale, mais par étapes. Mm-hmm. La Libye a été détruite avec chef de file, Sarkozy, la France. Mm-hmm. Et après la Libye, on a eu le Qatar, le Mali. On va expliquer en quoi le Mali a été déstabilisé et qui s'est retourné contre la France et qui justifie le fait que l'Algérie ne participe pas au G5 pour ne pas aider la France à s'ancrer de nouveau dans une structure coloniale dans cette zone et à sa périphérie. Mm-hmm. Le Mali a été déstabilisé par Ansar Eldin. D'accord ? Ansar Eldin, oui. C'était une supposant organisation caritative djihadiste financée par le Qatar. C'est-à-dire, le Qatar, un des plus récents alliés de la France, a déstabilisé et détruit un des plus anciens alliés de la France, qui est le Mali. Ce signal-là frappe de déconsidération les pays occidentaux, c'est-à-dire le Mali, qui a envoyé près de 60 000 combattants pour aider la France durant la Deuxième Guerre mondiale à combattre le nazisme pendant que les trois quarts de la population française collaborait avec le nazisme. Il a été déstabilisé par un nouvel ami. Il n'y a pas d'amitié éternelle entre la France et ses anciens alliés. Il a été déstabilisé par un nouvel allié. À partir de ce moment-là, l'Algérie, elle a 6 frontières communes avec des pays africains. Pourquoi voulez-vous qu'elle participe pour aider à stabiliser une zone qui a été longtemps sous la coupe du franc CFA et qui a assuré la pérennité de la présence internationale de la France? Lorsque l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie a été proposé pour être le médiateur de l'ONU à la place du Libanais Hassan Salah, mais visiblement très fragile. Il y a eu un lobbying des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte pour barrer la route à l'Algérie, parce que après des mois de léthargie diplomatique correspondant à la phase terminale de la présidence Bouteflika, l'Algérie est en train de revenir
après le congrès de Berlin, Jean-Yves Le Drian a été lui-même là-bas en Algérie. Pardon, Michel, vous avez un pôle de stabilisation dans la région, alors qu'ils avaient juste pris note de l'élection de M. Tebboune. Donc, on fait barrage à l'Algérie. L'Algérie a un rôle central dans cette affaire-là. Elle est un pays charnière entre le Maghreb et le Machrek. Elle contrôle les frontières de six pays. Si on la déstabilise, aussi bien les Français commencent à, grâce à des lectures pertinentes, ils commencent à comprendre, si l'Algérie est à nouveau déstabilisée, c'est un flux migratoire considérable qui ira en France, autrement plus important que celui qui vient de Libye ou de Turquie. Lorsque l'Arabie Saoudite, en pleine déconfiture avec le Yémen, a invité le président Tebboune à aller en Arabie Saoudite, pour votre information, on lui a dit, s'il te plaît, va tenir le sommet arabe à ta place, avant le coronavirus. Oui. On va tenir le sommet arabe en Algérie parce que nous, on ne peut pas ici avec toutes les divergences. Vous êtes le seul pays qui n'avait pas de conflit avec les autres pays. Abdelmajid Tebboune a remis les pendules à l'heure. Il a dit, je tiendrai un sommet arabe à Alger le jour où la Syrie reviendra membre de plein droit. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sommet arabe pour l'instant. Sachez-le, Algérien. Et on est revenu aux fondamentaux de la Ligue arabe, fondamentaux, parce qu'il a exigé aussi qu'il y ait une réforme des structures de la Ligue arabe, qu'il y ait une rotation des secrétariats du général de la Ligue arabe par rotation. Il n'y a pas ça, soit tout le temps l'Égypte. On a bien compris votre idée. Mais je vais poser une question à M. Richard Labeuvière, justement. Ce qui se passe sur les frontières algériennes en Libye, d'une part faisant de ce pays un entrepôt d'armes et au Sahel, et aussi avec la multiplication des sites de renseignement, avec toujours un œil sur l'Algérie, il faut le reconnaître, interpelle dans de telles conditions. Est-ce qu'on peut parler d'un encerclement et avec des répercussions directes sur nous ? Un encerclement, certainement. Mais si on élargit le contexte actuel, si vous voulez, post-pandémie, coronavirus, etc., on observe quoi aujourd'hui ? On observe une intensité de mise en cause, de mise en cause des autonomies, des souverainetés nationales dans le monde arabe. Je vais revenir à l'Algérie, mais évidemment, en Syrie, ça a commencé en mars 2011. Au Liban, actuellement, le Liban est aussi dans le collimateur. Son système bancaire est déstabilisé par des pressions américaines parce que les Américains veulent faire chuter le gouvernement d'Hassan Diab, auquel participent des ministres du Hezbollah. La pression est décuplée sur l'Irak, qui maintenant, si vous voulez, s'est doté de dirigeants plus proches des Américains. Il y a effectivement une nouvelle pression importante sur la Palestine avec des nouvelles propositions d'annexion de la vallée du Jourdain et en Cisjordanie de la part des Israéliens. Et effectivement, l'Algérie également n'échappe pas à cette pression. Il est clair que l'Algérie aujourd'hui non seulement est confrontée à une situation régionale, je dirais, préoccupante par rapport à ce qui se passe en Libye. Bien sûr, la Libye a implosé. Il y a plus une Libye, il y en a deux ou trois en tout cas, mais aussi avec des conséquences très déstabilisantes sur la Tunisie, sans parler de ce qui se passe au Maroc. Donc, de fait, si vous voulez, l'Algérie, c'est un modèle stato-national qui jouit toujours du prestige de sa révolution nationale anticoloniale et qui, de fait, affirme, quels que soient ses problèmes intérieurs, une politique de souveraineté et d'indépendance nationale, tant au sein de l'OPEP et de l'OPEC, des pays producteurs de pétrole et de gaz, mais aussi avec sa diplomatie en Afrique. Elle sert de médiation dans différents conflits africains, toujours en affirmant une idée stato-nationale de l'indépendance et de la souveraineté nationale qui, aujourd'hui, est proprement inacceptable, inconcevable pour les décideurs américains, anglo-saxons et israéliens qui veulent absolument, si vous voulez, la casse d'États-nations dont l'Algérie est un modèle qui reste un obstacle à cette mondialisation programmée et canalisée, accompagnée par les décideurs anglo-saxons avec leurs alliés des pays du Golfe et leurs alliés israéliens.
Michel Rimbaud, en Afrique subsaharienne, l'armée française a installé ses bases où des centaines de soldats sont stationnés depuis plusieurs années maintenant. Cette présence militaire française, est-ce qu'elle n'a pas exaspéré le terrorisme qui continue à faire des victimes, de nombreuses victimes, au Burkina Faso? Et cette présence militaire n'a pas fragilisé les pays subsahariens? Il y a eu une extension du champ de bataille du Grand Moyen-Orient, si on peut dire, qui s'est mis à englober non seulement une partie de l'Afrique du Nord, etc., et le Moyen-Orient, mais qui inclut maintenant finalement une bonne partie de l'Afrique du Sahel. C'est un seul champ de bataille. Il n'y a pas, comme on le disait au temps de la colonisation, une Afrique qui serait arabe et puis une Afrique subsaharienne. Toute cette frontière hypothétique et génétique du colonialisme a sauté. Et finalement, on voit maintenant que toutes les régions qui ont été enflammées, disons, par les groupes islamistes, et de plus belle après la crise libyenne, finalement, eh bien, que ça a enflammé toute la région du Sahel, comme la Mauritanie, le Mali, bien sûr, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, le Soudan, etc. Et qu'en quelque sorte, l'Algérie, effectivement, se trouve un peu encerclée par tous ces conflits, puisqu'elle était finalement l'armée nationale qui était capable de jouer un rôle sécuritaire important dans toute cette zone. Et finalement, c'est vrai que l'irruption de la France dans des anciennes chasses gardées, sous prétexte de combattre le terrorisme, etc., il y a eu quand même un paradoxe français que la France, à partir de 2012-2013, a déclaré qu'elle combattait le terrorisme au Mali, par exemple, alors qu'elle le soutenait objectivement, elle le soutenait dans d'autres pays, au Moyen-Orient et ailleurs. On se souvient des déclarations de Fabius concernant certains groupes terroristes en Syrie, tout à fait. René n'a pas parlé des positions de l'Algérie. Je voudrais savoir, est-ce que, à la lumière de ces deux visions, finalement, du monde, quelle est la marge de la manœuvre de l'Algérie aujourd'hui, M. Bensalda? En fait, les accords actuels, les accords très, très forts entre l'Algérie et la Chine, et la volonté de l'Algérie de faire justement partie de cette route, nouvelle route de la soie modernisée, à mon avis, c'est ça qui lui pose la plupart de ses problèmes. C'est-à-dire que sa réorientation vers l'Asie et une volonté vraiment de travailler avec les Asiatiques. On voit, par exemple, dans le cadre de la pandémie Covid, la Chine a beaucoup aidé l'Algérie. Il y a même des médecins chinois qui sont venus en Algérie. Il y a des projets de construction d'hôpitaux, etc. Il y a même du matériel qui a été acheté et aussi donné gracieusement par la Chine. Donc, il y a une solidarité, solidarité qui n'existait pas avant. L'Algérie était beaucoup plus tournée vers l'Europe. La Chine a quand même été très solidaire avec l'Algérie pendant la guerre de libération nationale. Oui, c'est clair. Mais il y a quand même des, voilà, c'est clair. Mais disons que de par la langue, de par la culture, etc., de par le siècle de colonisation, il y a des séquelles qui restent en fait de cela. Mais nous voyons très bien actuellement un réalignement de l'Algérie vers l'Asie, et donc cette réorientation géostratégique pose beaucoup de problèmes à l'Algérie, parce que on voit que des marchés peuvent échapper, que l'influence européenne et en particulier française ou américaine peut échapper. Voilà. Et donc on voit très bien, même quand il y avait l'ancien gouvernement de Bouteflika, par exemple, on sait maintenant qu'il y avait des relations assez intimes avec la France ou les États-Unis. On comprend très bien maintenant. Cette réorientation va non seulement, à mon avis, poser des problèmes, mais il faut savoir aussi comment l'Algérie va pouvoir dealer avec ses anciens partenaires, parce qu'il faut toujours garder, de par la proximité, de par la culture, de par la position géographique de l'Algérie, de pouvoir dealer avec ses anciens partenaires, tout en se réorientant, si elle le veut, parce que, en fait, dans les relations géopolitiques, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et donc, il faut que l'Algérie sache où sont ses intérêts. Et dealer avec d'autres puissances, bien sûr, parce que, comme
L'Algérie ne peut pas être dépendante d'une seule vision géostratégique. Il faut qu'elle développe aussi ou maintienne certains liens, mais qu'elle maintienne ces liens avec le respect, respect et une indépendance complète vis-à-vis de certains pays. Et il ne faut pas que certains pays lui dictent ses politiques, que ce soit des politiques de l'éducation, que de la culture, etc. Parce qu'il y a des ingérences au niveau de l'Algérie, même du point de vue culturel, au niveau de l'éducation, etc. etc. Donc, c'est cet aspect. Il faut que l'Algérie sache prendre son envol et choisir ses partenaires comme elle le veut. Comment justement l'Algérie peut-elle préserver ses intérêts tout en préservant ses principes, j'ai envie de dire, fondamentaux, puisque l'Algérie a toujours soutenu les pays pour leur droit à la liberté, pour leur droit à l'indépendance. Je cite évidemment la Palestine, qui est une cause nationale, j'ai presque envie de vous dire, viscérale, aussi bien chez la population algérienne de façon, dans son ensemble, que dans sa politique étrangère, également le cas du Sahara occidental. Alors, comment est-ce qu'un pays comme l'Algérie, qui continue à tenir à ces principes-là, peut-il résister à cette forme de soft power ? Peut-il éviter ces pièges ? Et notamment, est-ce qu'on ne peut pas dire que le soft power peut avoir des ramifications, se transformer en cheval de Troie avec des ramifications sécuritaires ? Monsieur Richard Lavevière ? Écoutez, je crois que l'Algérie, de toute façon, c'est un des trois grands pays africains, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est un des trois grands pays qui compte en Afrique et sur le plan de cette géopolitique mondiale qui met en cause le traçage des routes de la soie chinoise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, si vous voulez, l'Algérie, de par sa révolution de libération nationale, reste absolument un paradigme et un symbole pour la libération des peuples. Vous avez cité le Sahara occidental, la Palestine, la Syrie. La diplomatie syrienne a toujours été très stricte sur la défense de la souveraineté territoriale et politique de la Syrie. Oui, l'Algérie a en effet toujours exprimé des positions très, très fermes. Et c'est pour ça qu'Algérie gêne le monde aujourd'hui et qu'elle est, si vous voulez, l'objet d'attaques par différentes ONG et d'autres révolutions de couleur qui ne disent pas leur nom, où on essaie de redémarrer les révolutions arabes tant au Liban qu'en Algérie. C'est parce que, justement, l'Algérie incarne toujours ce modèle absolument intangible qui n'est pas négociable. De souveraineté nationale et d'indépendance nationale. Justement, dans ces conditions, Monsieur René Naba, dans de telles conditions et avec une aspiration légitime des peuples arabes de façon générale, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle un peu des États et des influences, mais la volonté et la soif de démocratie est réelle et justifiée. Mais dans de telles conditions, dans une telle complication de la reconfiguration mondiale, comment garantir la construction d'un État républicain bâti sur des principes de droit et se prémunir des ingérences, justement ? Non, il y a un décalage entre le discours occidental et la réalité sur le terrain. On a la constitution d'une Union européenne qui regroupe 27 pays, un marché de 500 millions de personnes. On a l'ALENA aux États-Unis. On a le Mercosur, mais on s'oppose à la constitution dans le monde arabe d'un seuil critique à l'effet de pouvoir faire balance égale avec l'Europe pour avoir un partenariat sur un pied d'égalité et de respect mutuel. On est pour l'indépendance du Kurdistan, pour l'absorption de la Palestine, pour le démembrement du Soudan, les Occidentaux, mais on est contre l'indépendance de la Catalogne ou de la Corse. Donc, il y a un discours disjonctif occidental qui prône en fonction de leurs propres intérêts. Pourquoi vouloir l'indépendance du Kurdistan lorsqu'en même temps, nous, on est d'accord pour l'indépendance du Kurdistan. Les Kurdistan, ils n'ont qu'à devenir indépendants quand ils veulent, mais à condition préalable que la Catalogne soit indépendante, la Corse aussi, les Basques et la Bretagne. Sinon, il n'y a pas. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Au-delà de l'angélisme des uns et des autres, le soft power, ne résiste pas à des faits objectifs. Le soft power ne résiste pas à des faits
objectif. C'est-à-dire ? Et je ne prêche pas par angélisme. Je vais vous expliquer gentiment. La Chine, la Russie n'ont aucun passif colonial avec les anciens peuples colonisés. Ni oui. code noir, ni code de l'indigénat, ni traite négrière, ni sétif. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La mémoire vive des peuples ne pardonne jamais. La politique étrangère algérienne, comme la politique étrangère syrienne, Alexandrette, ne l'oublions pas, et l'Algérie, sera déterminée par des, quels que soient les intérêts mutuels, conjoncturels d'un président en cours de réélection, en voie de réélection, elle sera fondamentalement et basiquement déterminée en fonction de la dimension historique, de la mémoire des peuples en lutte pour leur indépendance. C'est le cas de l'Algérie, ça a été le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban, c'est le cas du Yémen. L'Algérie, sa vocation actuellement, ce n'est pas de complaire à des déambuleurs de la pensée française, pour ne pas les citer les idiocrates qui nous inondent nos écrans. L'ambition actuelle de l'Algérie qui doit être, et c'est le souhait que je formule à travers Canal Alger dans cette émission, c'est qu'elle puisse enfin accéder au BRICS, la structure décisionnaire du monde futur. Voilà l'ambition de l'Algérie actuellement. L'Algérie, pour son passé révolutionnaire, combattif, sa solidarité avec les peuples du monde, et pour, c'est le seul pays qui a combattu, qui a gagné victorieusement une guerre de libération, une guerre contre le terrorisme, il ne faut pas l'oublier. Comme voulez-vous qu'il a fait cette expérience à la France qui l'a tellement bafouée durant des siècles, pour leur donner. L'ambition de l'Algérie actuellement, c'est d'accéder au BRICS. C'est le vœu que je formule dès la fin de la pandémie de la coronavirus. Alors, on reviendra justement à la fin de cette émission, qui ne tardera pas d'ailleurs à avoir lieu, sur la fin du coronavirus. Néanmoins, pour en revenir à l'Algérie, qui également, sur le plan interne, est en construction, de reconstruction plutôt de sa république. Est-ce que cette reconstruction peut échapper au contexte sécuritaire, M. Ben Saada ? À mon avis, l'Algérie subit des attaques et des pressions de l'étranger. On le voit bien dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la communication. Beaucoup, beaucoup d'attaques. Et donc, c'est clair que l'Algérie doit être extrêmement vigilante actuellement. Extrêmement vigilante, parce que cette volonté de s'affranchir d'une certaine politique qui était plus ou moins admise par certaines puissances peut lui causer beaucoup de problèmes. Et la façon actuellement, ce n'est pas de bombarder, c'est d'utiliser le soft power. En fait, c'est vraiment d'utiliser le soft power et aussi d'utiliser certains relais, certaines méthodes culturelles, certaines méthodes dans le domaine qui ne paraît pas nécessairement dans le domaine politique. Voilà. Moi, j'aimerais juste revenir aussi à un point très important auquel Richard a fait allusion tout à l'heure, c'est en disant que le multilatéralisme, en fait, a subi un gros coup en 2003. Mais en fait, le multilatéralisme a subi un grand coup depuis assez longtemps, disons, parce que les positions de l'ONU vis-à-vis d'Israël, de par toutes les résolutions qui ont été signées, qui n'ont jamais été appliquées, disons. Alors, comment peut-on avoir une organisation, on va dire, supranationale comme l'ONU et qui ne peut pas imposer, et qui peut les imposer à tous les pays, sauf à Israël. Et maintenant, c'est flagrant maintenant avec Trump qui fait fi de tout ce qui est, résolution ou accords internationaux, etc. Richard en a parlé. Mais si on revient à ce point précis, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout pays qui bombe le torse contre Israël peut se voir menacé. Et c'est ça le grand problème que risque justement l'Algérie d'avoir dans le futur, c'est-à-dire sa position actuelle au sein de cette espèce de ligue qu'on appelle la Ligue arabe, qui est en majorité pour la normalisation avec Israël. Et,
Et c'est absolument, absolument ahurissant ce qu'on peut lire actuellement de la part des monarchies arabes et des monarchies du Golfe qui veulent à tout prix ouvrir des normalisation, en fait. Alors, le fait que l'Algérie ne soit pas dans ce mouvement-là de normalisation, ainsi que bien sûr, ainsi que la Syrie ou le Liban, et même la Tunisie, qui, avec son nouveau président, a bien marqué son opposition à toute normalisation avec Israël. Et donc ça peut lui poser d'énormes problèmes. Et ça peut aussi être utilisé dans le soft power, dans la sécession, dans les mouvements sécessionnistes qu'on voit en Algérie actuellement. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. D'ailleurs, nous avons un peu débordé. Et donc, je vous remercie d'être un peu plus bref pour les conclusions. Les plus grandes de ce monde, hein, puisque c'est comme ça qu'on les nomme, donc les chefs d'État de grande puissance, ont tous annoncé, il y a à peu près un mois et demi, début de la prise de conscience de la gravité de la crise du corona, que après le Covid-19, la face du monde va changer. Alors, comment est-ce que vous l'imaginez ? Écoutez, c'est pas effectivement cette pandémie la fin du monde, c'est certainement la fin d'un monde. Il y a un avant, un après, avec deux évolutions certainement très préoccupantes. La première, c'est la traçabilité numérique de tout un chacun des citoyens, et pas seulement en Chine, aux États-Unis, dans toute société. Le téléphone portable, le numérique, les ordinateurs font que maintenant, chaque individu est tracé en permanence dans sa vie quotidienne et quoi qu'il fasse. Ça, c'est la première évolution très, très préoccupante. Et de ce point de vue-là, la pandémie a accentué le contrôle social et la réduction de nos libertés civiles et politiques. La deuxième évolution qui paraît très préoccupante, bien évidemment, c'est la régression sociale, du droit social, des libertés, des facilités de démanteler le droit social et de licencier plus facilement les gens, d'interdire les grèves et des manifestations, etc. Donc tout cela est assez préoccupant. Sur le plan, transposé sur le plan international, trois remarques rapides pour reprendre ce qui vient d'être dit. Moi, je ne crois pas que ce soit du tout la fin des Nations Unies. On connaît, les Nations Unies ne sont pas un gouvernement mondial, simplement. Ces agences techniques, je pense à l'OMS et autres, etc., permettent des couvertures sanitaires de beaucoup de pays, etc. Et dans toute l'imperfection du système, les agences techniques comme le HCR, l'OMS et d'autres font que le monde sans Nations Unies sera encore pire qu'il n'est aujourd'hui. Certes, le Conseil de sécurité doit être réformé, ça c'est un vieux serpent de mer, mais disons que les Nations Unies connaîtront d'autres évolutions. Le deuxième élément, c'est que je serai moins enthousiaste que mon ami René Labat sur l'évolution des BRICS. Avec l'évolution actuelle du Brésil est fortement affaiblie, d'autant que dans les BRICS, les relations entre la Chine et la Russie, qui n'ont pas les mêmes intérêts, ne sont pas non plus coulés dans le bronze, et les BRICS en aucun cas ne peuvent se substituer et inventer un nouveau modèle de multilatéralisme. Troisième point, il faut en terminer avec la Ligue arabe, et une fantasmagorie passée sous la tutelle des pays du Golfe et alliée, je dirais, aux perspectives israéliennes et américaines, donc oublions la Ligue arabe, reste, je dirais, l'espoir, et pour l'Algérie c'est très important, de l'Union africaine, qui reste une organisation régionale importante, effectivement, au sein de laquelle l'Algérie peut continuer à peser et apporter toujours ce modèle, j'y insiste, de paradigme d'indépendance et de souveraineté nationale. Donc, pour voir la géopolitique et le monde d'après, il est clair qu'aujourd'hui, avec un droit international qui a volé en éclats, où M. Trump a déchiré tout un tas d'accords internationaux, il est clair qu'on est dans un monde très incertain. Je cite le Léviathan de Thomas Hobbes, de la guerre de tous contre tous, où tous les coups sont permis, où sur le plan économique, c'est la course au pognon, c'est la course au fric et à la destruction des ressources naturelles. Et oui. Donc là, je dirais que cette après-pandémie va nous obliger de fait à redéfinir un certain nombre de zones limites,
de point limite. Il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui disaient « Ah, c'est formidable parce que cette pandémie va déboucher sur une amélioration de la gouvernance mondiale. » Ça, c'était l'école de Bertrand Badie. Hubert Védrine répondait avec réalisme « Non, pas du tout. Essayons, misons sur le fait que nos dirigeants soient responsables et à tout le moins, nous pourrons réinstaurer un minimum de règles sur des dossiers vitaux pour une coopération internationale à minima. Et dans ce contexte-là, il est clair qu'on ne va pas recréer d'autres formats type G7, G20 qui ne servent qu'à faire des photo opportunities, mais il faudra remettre en chantier effectivement une organisation des Nations Unies rénovée, modernisée, et en s'appuyant, j'en termine par là, sur les organisations régionales importantes comme la Ligue arabe au sein de, l'Union africaine, pas la Ligue arabe, au sein de laquelle l'Algérie joue un rôle très important. Alors justement, puisque vous en parlez, l'Afrique et l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils peuvent contribuer à écrire ou à dessiner ce nouveau visage du monde, M. Ben Saada, ce visage, comment vous le voyez ? Exactement. Juste pour abonder dans le sens de mon ami Richard, l'Algérie devrait plus se tourner vers l'Afrique et vers les pays d'Amérique du Sud pour en fait peut-être reconfigurer quelque chose qui ressemblerait au non-aligné, disons une autre voie que celle qui est actuellement en vigueur. Mais pour revenir à votre question précédente, en fait la pandémie a montré que ces regroupements de pays comme l'Union européenne, comme la Ligue arabe, ne servent à rien quand il y a des pandémies. Et c'est ça qu'on n'a pas vu, en fait, de la collaboration entre pays européens. Nous n'avons pas vu aussi de la coopération entre pays arabes aussi, ou musulmans ou autres. C'est un échec de tout ce qu'on a vu auparavant dans ce qui est le fondamental de l'être humain, c'est-à-dire sa santé, sa vie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. On parle de vie et de mort. Puis on n'a personne pour nous aider, sinon nos moyens propres pour se débrouiller. C'est ça. Et en plus, ça a démontré aussi un unilatéralisme sauvage. Les gens se battaient dans les tarmacs d'aéroports pour prendre des masques, etc. Donc, cet aspect-là qui était, en fait, on avait idéalisé un peu l'Occident avec ses structures, etc. On se rend compte que ces structures-là sont extrêmement désuètes actuellement. Et je ne parle pas que de l'Europe, aussi des pays arabes, ou alors de l'union des pays musulmans ou autre chose. Il n'y a pas eu de... On entend bien, en fait, les grandes institutions multilatérales, régionales, n'ont pas été à la hauteur. Non, tout à fait. Je vais revenir vers vous, M. Michel Ringot, vous, l'ancien diplomate, et je vais prendre une expression du général de Gaulle qui, en parlant de l'ONU, disait ce machin. Est-ce que ce machin est appelé à disparaître aujourd'hui au regard de tout ce qu'on voit? Est-ce qu'il est fini? Oui, je pense. Il est disparu de facto puisque tout le monde, personne n'attend plus rien du machin, justement. Sinon des vilains trucs, je veux dire. Mais je pense que le problème, c'est qu'il n'y a plus de droit international. C'est ça qu'il faut rebâtir. Parce que quand même, on a beau dire, même au temps de la guerre froide, il ne faut pas oublier quand même que les Nations Unies étaient une construction de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'était les vainqueurs, disons, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à l'époque, au moins quand on a créé les Nations Unies, la Charte de San Francisco, finalement, eh bien, tout le monde, que ce soit l'Est et l'Ouest, était d'accord, au moins sur le plan des principes, sur un certain nombre de données, de principes à respecter. Je pense que pour recréer un droit international, il faut à nouveau des principes qui soient admis de tout le monde. Or, je ne vois pas du tout comment, parce que ça serait dans le cadre, au fond, des règlements des différents conflits en cours. Il faudra une vaste négociation quand tout sera un peu épuré, quand un nouvel ordre se sera à peu près créé ou au moins ébauché un peu plus nettement qu'il ne l'est maintenant, c'est-à-dire l'Eurasie face au monde atlantique, et bien à l'Empire atlantique. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudra essayer de recréer,
quand même de nouvelles bases pour faire une communauté internationale qui soit performante. Un nouveau Conseil de sécurité. Je vais finir avec vous, Monsieur René Naba. Donc demain, ce sera comment, post-Covid-19, d'après vous? Le nouveau monde commencera, indépendamment de la faillite des pétromonarchies, le jour où le Conseil de sécurité ne sera pas constitué de 3 membres de l'OTAN sur les 5 membres permanents. Il faudra y inclure l'Asie, l'Inde, l'Afrique et le monde musulman. À ce moment-là, le monde sera un peu plus équilibré et ce ne sera pas une suprématie blanche qui représente 21% de la population mondiale sur le reste de la planète. Le jour où on a réformé le Conseil de sécurité, ce sera un grand jour pour l'humanité. Je me rappelle que l'Union africaine a demandé en vain ces derniers temps, justement, ça viendra. La réforme. Il y a un coup de boutoir et des usures, et un jour, ça s'effondrera comme dans une fourmilière. Nous vous avons entendu, M. Naba. Je vous remercie infiniment à vous, ainsi qu'à tous nos invités d'avoir participé à cette émission ce soir. Merci d'avoir pris le temps dans ces conditions un peu particulières. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très agréable soirée sur Canal Algérie.